Bonjour, merci d'être venu. On va s'intéresser à un sujet qui préoccupe pas mal de gens en ce moment, aussi bien les scientifiques, les linguistes, les informaticiens et les traducteurs et ceux qui veulent le devenir. Les machines traduiront-elles le futur ? Bon, le gag est bien connu, vous avez tous essayé de faire marcher un réfrigérateur, un four à micro-ondes ou même de monter un meuble chez un célèbre fabricant pour ne rien comprendre aux instructions et vous dire « mais qui c'est qui a traduit cette saloperie ?» C'était la plupart du temps une machine. Bon, c'est un peu de la caricature, mais nous allons regarder de plus près. Est-ce que les machines sont capables de faire un travail de traduction correct ? Qui juge de l'exactitude de la valeur de ce travail ? Est-ce qu'on a fait des progrès ces derniers temps ? Est-ce qu'on en fera encore dans l'avenir ? Voilà les questions que nous allons nous poser. Alors, nous allons nous les poser avec Nathalie Meige, qui est traductrice professionnelle, qui a beaucoup traduit China Miéville, dont le dernier livre vient de sortir, Mère Fer, et qui a aussi traduit, vous en souvenez peut-être l'année dernière, Mike Carré pour Celle qui a tous les dons. Mike Carré qui était un invité aux Utopiales. À côté d'elle, Frédéric Landragin, ingénieur et docteur en informatique, qui, nous allons le voir, s'intéresse tout particulièrement aux problèmes qui nous intéressent aujourd'hui. À côté, Sylvie Denis, traductrice professionnelle et écrivain, publiée par La Talente. On espère pour bientôt une suite de son roman Haute École, qui a été très apprécié. Milad Douhi, qui est historien des religions et qui s'intéresse en ce moment à un sujet qu'on peut juger un peu étonnant, l'humanisme numérique. Il nous expliquera peut-être de quoi il s'agit. En même temps, quelle est son optique, quel est son point de vue sur la traduction numérique, puisque le mélange des lettres et des sciences s'impose un peu ici. Et pour finir, Philippe Curval, qu'on ne présente plus, qui a montré depuis des années qu'il maîtrisait absolument le langage dans toutes ses tonalités, du scientifique au poétique, et qui me semble bien placé pour juger du travail des machines en la matière. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit exposé de Frédéric Landragin, qui il y a quelques mois a publié dans Bifrost un article remarquable qui faisait le point sur le sujet. Et je l'ai prié de nous en faire une petite synthèse pour qu'on sache à peu près de quoi on allait parler pendant l'heure qui vient. Ok, merci. Alors, non, le point de départ, c'était déjà que nous, humains, sur Terre, on parle entre 3000 et 7000 langues, selon la façon dont on compte les dialectes régionaux, etc. Donc, c'est énormément de langues, sachant que individuellement, chacun de nous n'est capable de parler qu'au maximum, en gros, une dizaine de langues. En tout cas, ça devient assez dur. Au-delà de 10. Ça demande de gros efforts d'apprentissage, etc. Donc, comment on fait pour se comprendre ? Il y a en gros trois voies, il y a en tout cas qui sont explorées par la science-fiction. La voie de la télépathie, mais on n'y est pas du tout. Il y a la voie de la traduction automatique, donc celle dont on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la voie qui, elle, par contre, est vraie, enfin, existe en parallèle, qui est celle de la langue universelle qu'on emploie tous, qui à l'heure actuelle est une espèce d'anglais dématérialisé en globish. Vous connaissez le terme, en particulier si vous avez lu la BD de Denis Bajram, le tome 5 de Universal War 1 qui s'appelle Babel, pas pour rien, et qui au Moyen-Âge était la lingua franca pour les échanges commerciaux, etc., qui était une façon donc de faire en sorte que des peuples se comprennent les uns les autres. Bon, alors la traduction automatique, historiquement, d'un point de vue scientifique et technique, c'est issu en gros de la guerre, et en particulier de la guerre froide, les Américains voulant traduire automatiquement ce qui captait des transmissions russes et inversement. Donc à la base, c'est vraiment les années 50, donc qui correspond aux premiers ordinateurs, et pour traduire de l'américain vers le russe et inversement. Des premiers essais ont eu lieu avec les ordinateurs de l'époque, donc très très lents, sans mémoire, enfin absolument simples hein, par rapport aux ordinateurs actuels. Et les efforts qui ont été faits, c'était d'implémenter des dictionnaires pour faire de la traduction mot à mot. Un exemple très connu de cette époque, c'est on prend le proverbe « l'esprit est fort, mais la chair est faible ».
en américain, là je l'ai dit en français, on traduit ça en russe, on regarde ce que ça donne. Pour savoir ce que ça donne, on retraduit la traduction russe en américain et on obtient la vodka est forte, mais la viande est pourrie. Parce que mot à mot, on n'a absolument pas le contexte, on n'a aucune idée du contexte dans lequel le mot « chair » a été utilisé. Du coup, de « chair » à « viande », il n'y a qu'un pas que la machine franchit tout de suite, directement. Et donc, évidemment, le résultat est catastrophique. Vous l'imaginez, pour des échanges internationaux, des échanges, c'est du grand n'importe quoi. Donc, à la fin des années 60, il y a eu un rapport d'une commission américaine qui a dit, on arrête là, ça sert à rien. La traduction automatique est un problème insoluble. C'est pas la peine de continuer les financements des projets de recherche parce que ça n'aboutira jamais. Et puis, les ordinateurs ont évolué, les techniques informatiques aussi, et on arrive en gros à la fin des années 70, où on commence à reprendre un petit peu le problème de la traduction mot à mot, mais en contraignant le contexte. C'est-à-dire, on va dire, on va essayer de traduire automatiquement des textes qui sont dans un cadre ultra connu, et pour lequel il n'y aura pas de dérive telle que de la chair... à la viande pourrie. Et donc, le premier exemple international, ça a été la traduction de bulletins météo. Les gens se sont mis d'accord pour un certain nombre de phrases type « Demain, il fera beau sur l'ensemble du territoire », ce genre de choses. Et donc, tout le micro-monde qui concerne les phénomènes de météo, les surfaces des pays, etc., ont été modélisées et pris en compte dans les systèmes de traduction automatique. Et du coup, la traduction devient tout à fait correcte. Mais par contre, elle ne peut pas sortir de ce cadre très précis. On arrive après aux années 90, aux années 2000. Donc, il y a eu d'autres applications et en particulier, comme on l'a cité auparavant, donc les manuels techniques, parce que mode d'emploi et autres, c'est pareil, ça reste dans un contexte assez cadré, absolument pas comme de la philosophie, par exemple, où ça, on n'essaye même pas d'en faire des traductions automatiques. Et puis, on en arrive aux années actuelles, avec les progrès de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, des réseaux neuronaux et ce genre de choses, des statistiques. Et la méthode actuelle consiste en gros à exploiter ce qu'on appelle des mémoires de traduction, c'est-à-dire on enregistre, le web sert à ça, des textes bilingues, donc avec à la fois la version française, la version anglaise. Sur ces textes, on met des annotations qui donnent un petit peu des repères, c'est-à-dire qu'on parle de textes alignés, c'est-à-dire on sait à peu près que tel bout de phrase commence là dans les deux textes, et du coup, on peut les rapprocher et les prendre en compte, alors non plus comme des mots, mais comme des bouts de phrase qui serviront à faire non plus de la traduction mot à mot, mais en gros de la traduction bout de phrase à bout de phrase. Et comme on a un stock énorme de milliards de phrases, enfin de millions de phrases, statistiquement, ça donne des résultats qui sont potables. Et alors, ce qu'on voit en parallèle, c'est une évolution des mentalités qui fait que, de plus en plus, nous, humains, quand on lit un manuel, un texte de loi juridique, etc., on se dit, OK, il y a des erreurs, mais on les accepte rien que parce qu'on sait que ça provient d'une machine. Je vais m'arrêter là, peut-être. La machine, pour l'instant, même si on parle d'intelligence artificielle, j'ose dire qu'elle ne comprend pas. Elle compare. Elle dit, tiens, cette phrase-là en français, la phrase A, dans tel texte que j'ai dans ma mémoire bilingue, ça correspondait à la phrase B. Donc, dans ce nouveau texte où la phrase A réapparaît, je mets B. C'est exactement ça. On va prendre un ou deux exemples très communs. Par exemple, le mot avocat. Donc, je voudrais un avocat. Est-ce que c'est un homme de loi ou un fruit ? Sans contexte, on ne peut pas savoir.
si la machine prend en compte les phrases qui précèdent et puis les phrases qui vont suivre, eh ben, on peut voir que si apparaît des termes comme le plateau de fruits ou d'autres choses de ce genre-là, très vite, une des deux interprétations va être mise en avant par rapport aux autres. Donc c'est purement statistique. Mais la machine ne fait qu'assembler des formes. Elle n'a absolument pas accès au sens. Et donc, en gros, les systèmes qui fonctionnent bien, ils ne comprennent rien, mais ils font illusion parce qu'ils trouvent les bons mots aux bons endroits pour que ça ait l'air vrai. Mais en fait, elle ne comprend absolument rien. Après, il y a des exemples du genre, je voudrais un autre avocat parce que souvent, lui-ci est pourri, où l'ambiguïté perdure sur un certain nombre de phrases. Bah, là, la machine ne peut rien faire. Là, ça devient un peu plus compliqué, ou alors il faut agrandir la taille du contexte, et ça, c'est un problème après de combinatoire, parce que les statistiques, on peut leur faire faire plein de choses, mais il faut quand même des machines très puissantes pour arriver à gérer tout ça. Alors, la question que je vais poser à Nathalie, puisqu'elle encadre des jeunes traducteurs, est-ce que ça ressemble à certaines de leurs méthodes ? Chercher des exemples, chercher de piocher dans des textes ? Alors, les jeunes traducteurs que l'on forme, en tout cas dans le master professionnel traduire pour l'édition, je précise, à l'université de Bordeaux-Montaigne, où je suis chargée de cours, ces jeunes traducteurs ont accès, bien entendu, aux ressources du web sur lesquelles figurent notamment les mémoires de traduction dont vous parliez, et ces mémoires de traduction sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Alors, d'abord une bénédiction, évidemment, à cause de la multiplicité des possibilités qui ont été engrangées par les machines, et il faut noter quand même, c'est pas que les machines, évidemment, qui mettent les choses en ligne, hein. Il y a aussi des individus qui collaborent, qui souhaitent... l'intelligence collective humaine a son rôle là-dedans. Maintenant, c'est aussi une malédiction parce qu'il arrive quand même assez souvent que ces traductions soient approximatives, voire fausses. Et ça fait un corpus qui ne cesse de s'accumuler de traductions soit fausses, soit malencontreuses, juste pas géniales. Et le truc aussi quand même en traduction tout court, est ce que je dis à mes étudiants par ailleurs dans des ateliers de traduction que j'anime, puisque je leur enseigne aussi l'informatique appliquée à la traduction, donc j'ai un petit peu les deux étiquettes sur le cursus. En revanche, en atelier de traduction, je leur dis, mais attention, ne commencez jamais par chercher la traduction d'un terme, cherchez d'abord la définition en anglais sur le meilleur dictionnaire possible auquel vous ayez accès. En l'occurrence, ils ont de la chance, à la fac de Bordeaux-Montaigne, on a... La FLAC offre l'abonnement à l'Oxford English Dictionary, qui est quasiment le plus complet pour ce qui est de la langue anglaise purement britannique. Et donc, on est là, on a d'abord une définition. Et moi-même, en tant que traductrice chevronnée, dixunt certains, je vais bien souvent, très souvent, vérifier s'il n'y a pas des sens connexes ou annexes à un mot dont je crois connaître parfaitement le sens, même s'il est extrêmement fréquent. Alors, cette partie-là de la chose... puisque la machine n'a pas accès au sens, c'est déjà un premier obstacle, me semble-t-il. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à ta question ? Donc, en fait, ce qui différencie, une des choses qui différencie la machine de l'intelligence humaine, c'est la remise en question. Il me semble qu'effectivement, ça, on peut le dire ainsi, oui. Sylvie, des commentaires ? En tant que traductrice professionnelle aussi ? Immédiatement, je me demandais comment on traduirait « J'ai mangé un avocat avec mon avocat ». La machine, elle peut le faire ? Oui, là, a priori... Sauf si on est sur une île cannibale, oui. Voilà. Le verbe « manger », il suffit à désambiguiser le COD. Comme le COD est reconnu en tant que tel, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Entendu. C'est-à-dire, moi, j'aurais parlé du point de vue de l'écrivain. Déjà, l'écrivain, il faut d'abord qu'il se traduise lui-même. Quand on écrit quelque chose, le cerveau fait un travail considérable et essaye de faire émerger le véritable sens de ce que l'on a envie de dire. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, l'homme est un traducteur par lui-même, puisqu'il
sont entre son corps, entre son ressenti physique, entre ses intentions et ce qu'il veut réaliser, il y a des tas d'épiphénomènes qui font qu'il y a toujours une divergence entre l'écriture et la pensée. Par ailleurs, si on veut aller plus loin, je pense quand même que dans un premier temps, je me suis beaucoup amusé parce que j'avais acheté tout à fait au début des traducteurs automatiques une machine qui était Microsoft dans laquelle on mettait un casque et on parlait et donc s'inscrivait sur l'ordinateur ce qu'on disait. Donc là, je dois dire que je suis arrivé à quelque chose de très étonnant parce que je suis arrivé à rattraper un peu l'écriture automatique des surréalistes en ce sens que je prenais une image et je décrivais l'image. Et après, j'avais un texte absolument extraordinaire que je réécrivais et qui me permettait de faire une espèce de poème surréaliste qui était passionnant. Puis après, donc, les choses sont un peu améliorées. Il y a eu quelques traductions qui étaient pas mal faites. Mais par exemple, des doubles sens. Ainsi, par exemple, j'écrivais à mon ami Jacques Chambon une première fois. Je lui disais « Mon cher Jacques ». Pour m'amuser, je lui écrivais en anglais. Donc, je ne connais pas l'anglais. Donc, je lui ai mis « My ». Alors, la première traduction, c'était « My dear Jack ». Et puis, j'ai renvoyé un deuxième chose, et c'était « My expensive Jack ». Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre. Bon, il faut bien dire que depuis quelque temps, les dernières Google traductions, par exemple, permettent quand même de comprendre un texte à peu près, même s'il y a plein d'erreurs, même si c'est un texte qui n'est pas spécifiquement orienté dans une discipline particulière comme la pharmacie ou la chirurgie ou d'autres sciences exactes, on peut quand même arriver à des résultats assez satisfaisants. Sauf que ce sont des machines qui apprennent. Et malheureusement, en apprennent, elles prennent quelques-unes de vos habitudes et elles finissent par traduire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Si on ne prend pas, par exemple, si vous prenez un iPad et que vous essayez d'écrire sur cet iPad, que ce soit un message ou un texte, tout d'un coup, la machine vous met, si on ne fait pas très attention, elle fait trois propositions, c'est-à-dire la proposition de ce que vous avez écrit. Donc à ce moment-là, si vous n'appuyez pas dessus, la machine interprète par rapport à d'autres textes que vous avez pu donner. Et à la fin, on a aussi des débordements absolument invraisemblables. Donc pour l'instant, je pense que quand même, les machines ont fait pas mal de progrès. Ce serait beaucoup plus, peut-être que c'est un peu hors sujet, mais quand même, les correcteurs orthographiques, par exemple, eux, on peut dire qu'ils ne font aucun progrès. Je sais que j'en ai un depuis 20 ans, que j'utilise par moment, et on se rend compte qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'est qu'un sujet, ce qu'est qu'un verbe, ce qu'est un complément. Et ça, c'est quand même gravissime parce que finalement, les gens qui ne savent pas écrire et qui prennent ces correcteurs orthographiques obtiennent des résultats absolument décevants. Qui voulait prendre la parole pour réagir à ceci ? Oui, enfin, effectivement, on est d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois l'histoire qui a été évoquée effectivement de la traduction automatique. Et si on regarde de près les échanges, par exemple, à la fin des années 40, début des années 50, entre Weaver et Wiener, qui étaient les premiers à s'intéresser à ces questions de la traduction automatique, le père de la cybernétique, Wiener, était extrêmement négatif au début parce qu'il a dit tout de suite que le contexte et l'ambiguïté est tellement énorme qu'on, même malgré le progrès avec la puissance de calcul, on va avoir beaucoup de mal. Effectivement, la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, qui pour moi est à la fois contradictoire, parce qu'à la fois les machines n'apprennent pas ce qui a été dit. Ce qu'elles apprennent, c'est à revisiter ce qui est mémorisé dans la machine. Et ce n'est pas la même chose que le modèle de l'apprentissage, que ce soit profond ou de l'informatique première, que ce soit chez Turing ou ce qu'on a aujourd'hui. Je crois que c'est assez important à remarquer, parce que ce n'est pas de l'apprentissage dans le sens dont on parle aujourd'hui. Par contre, en même temps, on peut voir aussi qu'il y a quand même un changement de paradigme qui est associé à la massification des données disponibles. Et je crois que là, ça joue un rôle extrêmement important, à la fois pour la diversité des langues qui sont accessibles à la machine. Le cas exemplaire ici, c'est Google Livre. À mon avis, moi, j'étais toujours convaincu, je l'avais dit à l'époque, on avait regardé autrement, que le grand intérêt pour Google, c'était de nourrir l'algorithme, non pas pour vendre des livres.
ils avaient besoin d'une diversité linguistique du corpus pour améliorer statistiquement et élargir le corpus qui peut être visité pour la comparaison, pour essayer de donner de meilleurs résultats, entre guillemets. Et du coup, d'un certain point de vue, la traduction soi-disant automatique reste quand même une traduction qui passe par le biais du lecteur. Le lecteur fait le sens, il va remettre le contexte. Et c'est exactement ce qu'on est tous en train de dire. Parce que si on accepte de laisser la machine traduire seule, on va arriver à des résultats ou bien surréalistes, ou bien complètement absurdes, pour ne pas dire souvent saugrenus. C'est tout à fait intéressant. Alors après, effectivement, il y a des débats qui sont intéressants. Je me rappelle, il y a 2 ans, puis après je vais m'arrêter, à l'époque de la célébration du 100e anniversaire de la fondation du MIT, Chomsky, quand même, qui avait joué un rôle important à un certain moment dans sa théorie linguistique, avait critiqué le modèle de traduction automatique de Google, et les réponses qui sont venues, point de vue technique, étaient assez intéressantes. Il y a un débat interne à l'informatique dans ses inspirations de modèles linguistiques qui sont revenus et qui sont aujourd'hui toujours avec nous, je dirais. C'est quelque chose d'assez passionnant comme problème, je veux dire, pas comme solution offerte qu'on va arriver à une machine universelle de la traduction comme celle de Turing, on va dire. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un autre danger, là j'exagère peut-être mes craintes, c'est que si ce que vous venez de décrire continue à se développer comme ça, c'est-à-dire, effectivement, le lecteur prévenu qui sait qu'il a affaire à un texte traduit par une machine se dit qu'il a une partie du travail à faire. Donc, il complète certaines lacunes en fonction du contexte qu'il estime. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir à terme un appauvrissement de la langue, un appauvrissement de l'expression? Parce que ce lecteur-là, il lui faudrait quand même se ressourcer vers des grands textes. Sinon, petit à petit, on va avoir une sorte de spirale insidieuse. Nathalie ? Je pense qu'on le constate même dans l'édition, hein, puisqu'il arrive maintenant de plus en plus souvent que des lecteurs se plaignent qu'on emploie des mots rares. Donc déjà, je pense que cet appauvrissement existe. Enfin, je ne crois pas que, du temps où moi j'étais une jeune lectrice, on aurait vécu un mot rare comme quelque chose de négatif. On serait au contraire très content d'aller chercher dans le dictionnaire et apprendre un nouveau mot, etc. Et là, c'est un peu comme si tout le monde avait des disques durs pleins à la place du cerveau et qu'en plus, avait la flemme d'aller chercher un truc dans le dictionnaire. Alors évidemment, en traduisant Miéville, ça m'est arrivé même des critiques, des gens qui, en plus, intelligents, manifestement très fins, ayant une grande culture, même des libraires, disant « Oh, mais oui, mais tel mot, c'est rare. Je suis... » À chaque fois, moi, ça me sidère Bref, en tout cas, ça, c'est un petit point connexe, mais néanmoins. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, juste un exemple qui m'est venu en tête en vous entendant parler, à mes étudiants début d'année, en général, j'avais des hispanistes et des anglicistes, à la fois au début sur les cours d'informatique, et je leur faisais un texte qui pouvait parler aux deux, et donc je faisais un texte d'un auteur mexicain-américain, quelqu'un qui était un immigré, voilà, et ce texte s'appelle Yo soy Joaquín, I am Joaquín, qui est donc le prénom, et c'est l'affirmation de son identité de Mexicain-Américain, etc. Et dans ce texte, je l'utilisais pour plusieurs choses, et notamment pour Google, et une fonction Google Books très intéressante pour nous les traducteurs, pour les textes datés ou pas, c'est la fonction Google Ngram. Ngram, c'est une fonction de Google, si vous allez chercher dans les fonctions avancées, vous la verrez. Elle vous permet de voir dans le corpus de Google Books quand tel terme est apparu et à quelle période il est le plus utilisé. Et là, il se trouve que dans ce texte, donc écrit à la fois en anglais et en espagnol, il y a le terme zapatista en espagnol. Et pour nous, aujourd'hui, pour la plupart des gens d'aujourd'hui, c'est vrai que zapatiste fait référence à un mouvement révolutionnaire contemporain du XXe siècle, avec le sous-commandant Marcos, etc. Or, bien évidemment, ce texte ayant été écrit en 1962, je crois, il ne fait absolument pas référence à ce mouvement qui n'existait pas, mais il fait référence au mouvement historique, Emiliano Zapata, etc. Or, évidemment, si on n'a pas la curiosité, nous les humains, d'aller vérifier dans Ngram quelle est la définition du terme, on risque d'être embêté. Donc c'était un petit truc comme ça de caser. Ceux qui ne connaissent pas Google Ngram, je vous invite à le faire. Vous pouvez même chercher, limité au corpus français ou au corpus anglais, vous pouvez chercher plusieurs mots à la fois pour voir
leur correspondance, etc. C'est une très jolie fonction de Google. On va pas dire que du mal de Google Translate, quand même. Et puis, l'autre idée qui m'était venue quand même, bah, c'est tout simplement, et là, moi, je pense que Sylvie, Philippe, vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur le fait que bah, il n'y aura pas de traduction automatique possible en fiction tant qu'il n'y aura pas d'écriture automatique possible en fiction. Hein, non pas au sens surréaliste, Philippe, mais au sens de l'écriture automatisée. Voilà, la traduction littéraire, en tout cas, bah, c'est de l'écriture quand même. Oui, non, je pensais qu'il faut, pour qu'il y ait une écriture de fiction, il faut qu'il y ait un sujet qui écrit. Et comme on n'est toujours pas capable de faire des IA, des intelligences artificielles dites fortes, on est un peu coincé de ce point de vue-là. Moi, très franchement, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Faire un système qui écrit une fiction, je n'y crois pas une seconde. Autant quand on contraint, on rend possible un certain nombre de choses, donc... plus on donne de contraintes sur bah, voilà, le domaine de la météo ou autre, plus on peut imaginer des inférences, des calculs sur le sens, etc. Tant qu'on reste sur du littéraire, c'est impossible. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir justement les choses qui changent actuellement. Par exemple, je suis en train de lire un auteur de science-fiction d'origine indienne qui s'appelle Vandana Singh, et c'est tout à fait extraordinaire parce que donc d'une part il y a un lexique à la fin parce que elle emploie une quantité de nombres de noms indiens du fait qu'elle prépare des plats à certains moments, etc. Mais de toute façon, ce qui est étonnant, c'est que on a parce que c'est quand même quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui traduit et qui écrit en anglais, donc on a quelque chose de très intéressant, c'est le fait qu'on a une pensée indienne et avec des mots indiens traduits, non traduits, et en même temps, quelque chose qui fonctionne comme une science-fiction tout à fait différente, en ce sens que la pensée n'est pas la même, que donc même si une machine essayait d'interpréter ça, elle ne pourrait pas le comprendre. Et là, il y a quelque chose, un arrêt absolu. Quant à écrire des textes à partir de machines, je pense que c'est possible. Je pense que si on fait des textes très simples, à partir de scénarios extrêmement réduits, avec un nombre de mots faible, on devrait pouvoir, d'ici je ne sais pas combien d'années, écrire des petits romans minuscules faits d'une manière automatique à partir d'une grande encyclopédie de tout ce qui a été écrit auparavant. Bon, je ne pense pas que ça soit véritablement l'idéal, mais je crois que c'est une possibilité qui n'est pas à négliger et qui, par hasard, pour la littérature courante que la plupart des gens achètent dans les points, je sais plus comment ça s'appelle, les points A, les points B, enfin les points dans les gares, on pourra très bien faire de petits romans microscopiques qui seront écrits par des machines. Oui, c'est intéressant de revenir quand même dans le texte de Turing de 1950. Qui a introduit le jeu de l'imitation Computing Machine Intelligence. Il décrit la machine et tout ça, puis après il essaie de répondre à toutes les objections qu'il peut imaginer à sa machine, et la première c'est celle de Lady Lovelace, et qui précisément pose la question: est-ce qu'une machine peut rédiger un poème comme Shakespeare ou un roman? Et il dit oui, et il va essayer de justifier. C'est assez intéressant, et ce texte qui revient sans cesse, hein, qui est comme un leitmotiv dans les sortes de justifications des efforts. Et curieusement, effectivement, il y a eu déjà dans les années 50 toute une littérature électronique qu'on appelait à l'époque qui était seulement des permutations, qui a effectivement évolué. Et à la fin, est-ce que c'est un jugement esthétique qui va intervenir pour décider? Mais faire un roman assez complexe, je ne sais pas encore. Mais on nous dit que peut-être c'est possible avec des modèles d'apprentissage. Moi, je n'en suis pas convaincu, mais ce qui est intéressant, c'est une question qui se posait très, très tôt, fin 49, 50. Elle a déjà été discutée, elle revient sans cesse.
à la fois pas du côté des artistes qui vont utiliser ou des écrivains qui vont exploiter un petit peu la machine pour la contourner, mais aussi du côté des informaticiens avec leurs modèles. Moi, je crois qu'il y a un autre problème, mais qui est peut-être technique, mais qui est intéressant et qui est comme une tension au sein de l'informatique elle-même qui joue dans cette dynamique entre les traductions automatiques et leurs modalités. C'est qu'il y a une version qui est, on va dire, inspirée du théorème classique de Claude Shannon qui dit que l'information est neutre. Elle n'a pas de sens, c'est juste un assemblage de certains aspects matériaux qui peuvent être transmis avec un certain degré de probabilité qui peuvent être construites, et d'autres qui disent, et c'est curieusement, ce sont les acteurs de l'intelligence artificielle qui disent, ce qui manque, c'est le contexte. Sans contexte, on ne peut pas justifier en quelque sorte comment on va essayer de, malgré toute la diversité des écoles ou bien même leurs échecs, et c'est quelque chose qui revient sans cesse pour essayer de construire le modèle de la traduction automatique. Est-ce qu'on va accepter que l'information est neutre, qu'elle peut être transmise sans nécessairement sans contexte, ou bien faut-il intégrer des formes? Après, ça reste et ça devient beaucoup plus complexe, effectivement. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a des moyens peut-être plus intéressants pour essayer d'introduire cet élément qui était absent et qui faisait comme un obstacle à certaines dimensions de la traduction automatique, on va dire pertinente, pas nécessairement poétique. Je voulais dire quelque chose, mais ça sera entre nous tout à l'heure. Y a quand même quelque chose qui me frappe dans toutes les interventions, à quelques détails près, c'est que vous partez tous du principe très très noble que ce que nous cherchons, quand je dis nous, ce que l'être humain cherche à faire en développant des traductions automatiques ou des traductions aidées par des logiciels, etc., c'est à obtenir un travail le plus parfait possible, qui soit un travail, enfin, c'est l'idéal, quoi. Soit on limite le champ, comme dans l'exemple de la météo, il y en a d'autres, hein. Soit on regarde ce que fait la machine et on regarde si c'est aussi bien, entre guillemets, aussi abouti que ce que peut faire un bon traducteur ou une bonne traductrice. Or, que va-t-il se passer le jour où un tel outil potable, comme disait Frédéric, sera à la disposition de tous et où tout le monde pourra l'utiliser en se dispensant de traducteurs professionnels. Pour répondre à la première partie, tout d'abord, moi je ne suis pas sûr que c'est la dimension d'un objet idéal ou presque parfait. Je dirais, pour reprendre peut-être un très beau texte de Leibniz, qui est quand même l'inspiration de tous ces gens-là, avec les réceptions, dans un très beau texte qui s'intitule « L'horizon de la pensée humaine », il a essayé de calculer toutes les permutations possibles dans les langues pour savoir à quel moment on aurait formulé toutes les versions possibles dans la langue qu'on parle. Mais sa conclusion, elle est tout à fait intéressante. Je dis, peu importe à quel moment on y arrive, c'est pas ça qui est important, parce que cela ne traduit pas ce qu'on veut dire. Les permutations seules dans leur... parce que le contexte ne peut pas être produit. Je crois qu'il y a un problème là qui est important. Le second aspect, ça c'est effectivement qui va toucher aujourd'hui aux dimensions, on va dire, économiques, de la dimension de la plateforme qui se met en place, de ces jardins clos, que ce soit chez Google ou ailleurs, qui ont intérêt à offrir certains services complémentaires au fur et à mesure pour des raisons d'exploitation économique. Et là, je crois que c'est une véritable question qui a beaucoup d'éléments. On peut la regarder du côté, est-ce que c'est un défi et un danger pour le travail de la traduction éditoriale pour les éditeurs? En même temps, il y a un second aspect qui est devenu aujourd'hui très visible, c'est celui de l'exploitation des données des gens et de leur collaboration dans une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui digital labor, pour à la fois alimenter et nourrir et faire gagner de l'argent à la plateforme sans aucun retour en quelque sorte. Il y a plusieurs aspects économiques qui sont extrêmement importants et qui sont devenus aujourd'hui beaucoup plus visibles à cause à la fois de la popularité et surtout de l'accessibilité à ces outils d'une façon très très immédiate. Je peux rebondir peut-être sur ce dernier point, parce que dans le petit historique que j'ai fait, j'ai pas mis en avant les aspects économiques, mais évidemment, c'est ça qui a réincité les recherches sur la traduction automatique au début des années 80, et en particulier en Europe. On est en Europe. L'Europe, c'est un ensemble de pays qui parlent des langues différentes.
En 80, il y en avait 9, si je ne me trompe pas. Et du coup, très vite, la Commission européenne s'est dit bon, bah, faut qu'on ait des textes officiels, donc tous les textes de loi et tout ça, qui soient dans toutes les langues, dans les 9 langues. Ce qui fait un certain nombre de couples langue source, langue cible, assez énorme. Et plus le temps passe, plus le nombre de langues a augmenté, puisqu'on en est maintenant à 24, quelque chose de cet ordre-là. Ce qui fait que le budget de la Commission européenne en traduction, donc humaine, il a décuplé. Et c'est, je crois, si je ne me trompe pas, de l'ordre du milliard d'euros par an. Enfin, c'est effarant, quoi. Donc c'est très bien, ça donne plein de travail aux traducteurs, hein, ça c'est normal. Mais du coup, c'est aussi ça qui a incité à ce qu'il y ait des efforts qui soient faits dans la recherche pour aboutir à des traducteurs automatiques. Tout en diminuant quand même le nombre de langues officielles de l'Union qui étaient des véhicules intermédiaires pour la traduction. Donc on avait le principe de traduction pérenne et on en est maintenant quasiment à l'anglais. Et on a eu d'ailleurs, les auteurs ont été très mécontents de cela assez récemment, puisqu'il y a eu une consultation européenne sur le droit d'auteur qui ne s'est faite qu'en anglais, sous prétexte qu'on n'avait pas le temps de traduire, etc. Donc autant vous dire que, à bien des égards, c'était insupportable. Et d'ailleurs, ça, on le voit dans les traducteurs automatiques, Google et tout ça. Si vous essayez de traduire de l'espagnol vers de l'italien, enfin du portugais vers du français, vous allez constater, en faisant un peu attention, que systématiquement, le système passe par l'anglais. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle une langue pivot, qui est l'anglais, et la traduction se fait d'abord du langage source vers l'anglais, puis après vers le langage cible. De toute façon, bien avant la machine, l'Oulipo a fait des expériences. Donc, et ça, uniquement avec des êtres humains. Donc, on a, je sais que c'est Raymond Queneau qui avait fait une expérience dans laquelle il avait fait traduire dans 18 langues le même texte. Et c'est extraordinaire, à force de traduire et de retraduire, bien que ce soit des traducteurs professionnels, on est arrivé à la fin un texte complètement sans aucun rapport avec celui qu'il y avait au début. Ça, c'est une chose extraordinaire. Par ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant pour des gens qui parlent mal des langues étrangères, c'est ce qu'on peut appeler la traduction assistée par ordinateur. Donc à ce moment-là, effectivement, actuellement, on a fait des progrès considérables dans la traduction, et moi qui parle mal l'anglais, je sais que j'ai des échanges avec des écrivains américains ou dans d'autres problèmes. Et donc, finalement, je rétablis un peu ce qu'ils écrivent. Et donc, normalement, on devrait pouvoir, au bout d'un moment, si on a quand même une connaissance de la langue originale, qui est la mienne, le français, on doit pouvoir faire traduire par une machine un texte et qu'on améliore au fur et à mesure que le texte s'est traduit d'une manière plus ou moins aléatoire. Et je pense que la traduction assistée par ordinateur est une chose qui est possible, alors que la traduction totale par un ordinateur, je pense qu'elle est aujourd'hui impossible. Mais là, par contre, je vois, alors, dire que c'est un danger, ça rend quand même un peu mélodramatique, mais en procédant comme tu le fais, toi, tu ne vas pas t'habituer à un français anglifié, si j'ose dire, puisque tu maîtrises suffisamment bien le français, mais quelqu'un de plus jeune, en procédant comme ça, va petit à petit adopter des tournures de phrases, des métaphores, des expressions qui seront des traductions littérales de l'anglais. Il y a des expressions comme ça qui maintenant sont couramment employées en français, qui il y a 10 ans, on n'avait jamais entendu parler, sauf parfois au Québec. Mon idée. Oh, mon erreur. Ah, mon erreur. Je me suis trompé, non, on dit mon erreur. My mistake. Donc c'est peut-être un danger. Ou alors, c'est peut-être pas un danger, mais c'est peut-être l'évolution vers une véritable langue universelle, où tout le monde aura les mêmes automatismes. Seul le dialecte local changera. Je crois qu'on est dans un contexte extrêmement européen et américain quand même. Parce que même pour la traduction automatique, avant de parler autre chose, les Russes ont fait beaucoup de travaux historiquement, ils ont beaucoup de logiciels, mais on ne les voit pas.
à nous. Et j'imagine en Chine, il va y en avoir énormément. Je crois qu'il faut qu'on sorte un petit peu de notre contexte transatlantique. Évidemment, nous, on voit Google parce que c'est une plateforme dominante aujourd'hui, mais quand même, du côté même de l'échelle, c'est ailleurs que ça se passe, et avec des langues extrêmement différentes, où l'anglais joue un rôle, mais il n'est pas le même avec notre rapport, que ce soit en français ou en allemand, ou en espagnol, italien, vis-à-vis le pouvoir, on va dire, dominant en quelque sorte, que ça déglobe de l'anglais. Il y a d'autres regards et je crois que c'est intéressant aussi de sortir un petit peu de cette grille extrêmement transatlantique et qui est là, mais qui n'est pas aujourd'hui la seule. Et surtout, on est en train d'évoluer vers d'autres modèles, à mon avis, qui vont arriver. Surtout historiquement, les Russes ont commencé très très tôt dans la traduction automatique. Ils ont traduit le livre de Wiener avec une très mauvaise traduction modifiée de son texte, qui a été un cas célèbre à l'époque, et ça a lancé toute une école de traduction automatique en Russie en informatique qui est toujours intéressante et qui a ses successeurs aujourd'hui. Oui, je pensais à un auteur qui est justement parti du principe que dans le futur on parlerait une langue hybridée et contaminée par d'autres langues, c'est Norman Spindrell, parce que dans des livres comme The Void Captain Stiles et Child of Fortune, les gens parlent en anglais en utilisant des mots allemands, français, etc., espagnol, parce que tout s'est mélangé. Cela dit, la base grammaticale reste anglaise, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus avant de laisser la parole à l'auditoire. Parce qu'effectivement, Milad a raison de souligner que nous sommes bien, on va dire, occidentalo-centrés. Mais c'est vrai, bon, ça, c'est malheureusement les échanges culturels. Bon, bah, faut donner l'idée à l'organisation des Utopiales, faire venir des auteurs et des scientifiques chinois et russes l'année prochaine. Pourquoi pas ? Et ça permettra d'engager de nouveaux interprètes.